Aujourd'hui, les amis, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, le bruit que vous entendez là, c'est le ventilateur de mon ordinateur. Je ne sais pas pourquoi. Il déclenche comme ça. Bon, bref. Alors, j'ai un message de notre archange Uriel, ici, qui s'adresse vraiment à tout le monde. Je vais vous le transmettre, bien évidemment. En tout cas, il est fait vraiment... il y a des mises en garde, il prévient quelque part de ce qui risque d'arriver. Je dis bien qu'il risque, parce que rien n'est vraiment... Comment dire ça? Il peut se passer tellement de choses, d'accord? Mais bon, je vous le transmets tel qu'il m'a été donné, ok? Il va y avoir une montée des eaux qui va faire énormément de dégâts et de victimes. Elle aura lieu dans un pays slave, mais aussi sur une côte méditerranéenne. Les gens seront pris au dépourvu et il y aura beaucoup de victimes. Priez mes enfants, car le monde change et notre Père a besoin de votre lumière à tous. Soyez bénis, mes enfants. Il y aura une grosse explosion qui vous demandera de rester chez vous, portes et fenêtres calfeutrées, pour ne pas respirer l'air toxique. Il faudra être patient, car cette explosion sera très forte et fera de gros dégâts, mais pas de victimes. Cette explosion aura lieu dans le sud de la France, sur une côte. Mais pas d'inquiétude, il n'y aura pas de victimes. Il y aura aussi en France, très bientôt, une montée de violence due à des réformes et des lois qui mettront le peuple en colère. Là aussi, beaucoup d'âmes partiront. Mais ne leur en voulez pas. Ceci est leur choix. Mes enfants, soyez dans la prière et ouvrez votre cœur, car ce qui s'en vient ne sera pas facile. Mais si vous restez dans la foi et restez unis, tout ira bien. Gardez à l'esprit votre notion de liberté et gardez dans votre cœur cette notion d'amour inconditionnel. Et vous en sortirez grandi. Mes enfants, ça vient d'être transmis. J'ai des fois quelque peu de mal à me lire. Mes enfants, les événements s'accélèrent et nous œuvrons à vos côtés. Mais nous avons besoin de vous pour vaincre l'obscurité qui est déjà affaiblie. Soyez lumineux, soyez heureux et soyez dans l'amour de l'autre. Vous n'êtes pas ennemis, vous êtes sœurs et frères. Et cet amour, nous en avons besoin pour réussir à abattre l'obscurité. Nous sommes près de vous. Et vous protégeons. Gardez la foi. Et soyez attentifs aux signes que l'on vous envoie. Priez Marie, votre mère, à tous. Priez son fils Jésus qui s'est sacrifié pour vous. Et priez notre Père pour qu'il vous accompagne dans ce tumulte. Voilà mes enfants. Ce que je me devais de vous dire, gardez la foi. Archange Uriel. Bon. Pas mal d'événements qui vont encore arriver. Bon, la montée des eaux, effectivement, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Plusieurs fois. L'explosion
cette fameuse explosion dans le sud, le fait qu'il faut qu'on va devoir rester chez nous, calfeutrer les portes et les fenêtres, et qu'on devra sortir qu'une fois, parce que dans une précédente canalisation, c'est ce qu'on disait, donc les mêmes choses, mais qu'on ne sortira qu'à la lumière d'un rayon de soleil. Ça veut dire que je pense que ce nuage toxique va être assez épais, assez intense, voilà. Donc pas d'inquiétude, on nous rassure en nous disant que bon, il n'y aura pas de victimes, ça sera des gros dégâts matériels, d'accord. Et puis toujours pareil, priez, allumez des bougies, restez dans la joie, mettez-vous dans votre bulle, ok. Il faut absolument, c'est vraiment important que vous sortiez des merdias qui ne servent qu'à baisser votre taux vibratoire. Et qui dit taux vibratoire bas, dit faille. Et qui dit faille, dit évidemment des choses très négatives qui peuvent vous atteindre. Ok. Gardez votre taux vibratoire élevé. Mettez de la musique, chantez, riez, allez dehors, allez en forêt, allez en bord de mer. Voilà. Mais sortez vraiment, sortez du système, d'accord, qui n'est là que pour. Voilà, c'est la boîte noire, elle est là que pour attiser les peurs, attiser les angoisses, le stress. Bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. D'accord. Voilà, mes amis, je me devais, moi aussi, donc, de vous le transmettre. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait vraiment avec plaisir. Donc, nous sommes jeudi 23 février. Donc, ce soir, c'est live. Donc, on se retrouve, évidemment, ce soir à 21h15 pour... le live, je pense que ça sera un question-réponse. Bienvenue aux personnes qui me découvrent. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, parce que plus il y a de pouces, plus la vidéo est diffusée. D'accord. Et puis, j'embrasse tous mes abonnés. Merci infiniment pour tous vos messages. Vraiment bienveillant, plein d'amour, voilà. On se retrouve ce soir, mes amis. Sur ce, je vous souhaite un très très bel après-midi. Et puis, à très vite. Je vous embrasse.